S'il vous plaît, vous confirmez si vous entendez bien la communication. Comme ça, on peut commencer. Avec les SMS comme d'habitude. Est-ce que vous entendez? Donc, on peut commencer. On continue avec le cours de ce matin, les hydrocarbures aromatiques. Donc, nous avons vu jusque-là la réaction globale. Nous avons entamé le mécanisme réactionnel. Donc, nous avons dit qu'il y a trois principales étapes. Vous avez tout d'abord la formation de l'électrophile en présence du catalyseur, qui soit un catalyseur de l'huile, soit un acide fort, un acide sulfurique ou bien l'acide nitrique. Donc là, le mécanisme est en quelque sorte identique pour toutes les réactions, mais à chaque fois, on va changer la nature de l'électrophile et le catalyseur. On va continuer avec le cours et puis on va entamer la séance TD. Et vous confirmez, s'il vous plaît, à chaque fois, si vous entendez bien la communication. Donc, j'avais dit qu'il y a la réaction d'alkylation, acylation, halogénation, nitration et la sulfonation. Donc, à chaque fois, on fait remplacer un proton par un radical alkyle, acide, halogénure, un nitronium ou bien encore un siphonium. Alors, la diapo précédente vous parlait de ça. Donc, on vient de voir ça la matinée. Donc, on avait vu le benzène qui est une molécule très fortement chargée négativement, possédant un caractère nucléophile. De ce fait, elle est capable d'attaquer une entité électrophile. Donc, via l'une des doubles liaisons, on peut avoir cette attaque avec formation de l'intermédiaire de Wnt ayant une charge positive. Alors, ayant une charge positive sur le cycle, cette charge, elle est délocalisée, c'est-à-dire elle est en permanent déplacement pour faire stabiliser cette entité chargée positivement. Et par la suite, nous aurons progressant de la réaction vers le produit fini qui est le benzène substitué. Voilà. Donc, là, c'est juste la réaction globale. C'est une réaction qui doit passer par trois étapes. La principale étape, la première étape plutôt, c'est la formation de l'électrophile en utilisant un catalyseur, que ce soit un acide fort ou bien un acide lisse. Par la suite, on va avoir l'attaque électrophile à partir du benzène sur l'électrophile et on aura formation de l'intermédiaire de Wnt qui, lui, va permettre la formation du produit de la réaction dans la troisième étape. Donc, j'ai dit que l'électrophile, c'est une entité chargée positivement, que ce soit une charge totale ou charge partielle. C'est généralement une entité qui provient à partir d'une molécule complète, comme un dérivé halogéné, un composé insaturé, mais après catalyse, bien sûr. Et que les réactions de substitution électrophile sont catalysées par des acides forts ou des catalyseurs de l'huile. Donc, les principales réactions de substitution électrophile sont présentées dans ce diapo. Donc, pas besoin de répéter, on les a déjà cités. Vous avez l'acylation, alkylation, sulfonation, nitration et halogénation. Concernant le mécanisme de ces réactions, il est identique. J'ai dit que c'est juste l'électrophile qui change à chaque fois avec la nature du catalyseur. Donc, si on prend par exemple l'acylation et l'alkylation, c'est toujours une réaction qui nécessite un catalyseur de l'huile en présence d'un dérivé halogéné ou encore un chlorure d'acide. Et vous avez à côté l'halogénation qui se fait par l'halogène en présence d'un catalyseur de l'huile. La nitration, sous réaction qui se fait par l'acide nitrique en présence d'un acide fort.
Et la siphonation, ça permet, c'est une réaction qui fait remplacer l'hydrogène par un sulfonion. Là aussi, on utilise un acide fort qui est lui-même le réactif de la réaction, c'est l'acide sulfurique. Voilà, donc le mécanisme général de ces réactions de substitution électrophile. Il commence par cette formation de l'électrophile après catalyse. Par la suite, j'ai l'attaque électrophile à partir du benzène et formation de cet intermédiaire qui est l'intermédiaire de Willan. C'est un intermédiaire présentant une charge positive, donc il est instable. Donc, pour faire stabiliser cet entêté, vous avez cette délocalisation permanente, c'est le déplacement par les doublés atomes qui vont stabiliser la charge positive. Voilà. Donc là, vous avez l'intermédiaire de Willan qui est stable. Par la suite, vous avez dans la dernière étape le passage à partir de cet intermédiaire vers le produit de la réaction qui est le benzène substitué avec bien sûr élimination de l'hydrogène. Donc de cette façon, nous avons remplacé l'hydrogène par l'électrophile dans ce qu'on appelle substitution électrophile aromatique. Pourquoi aromatique? Parce que le substrat de base, c'est un benzène. C'est une réaction qu'on peut avoir avec le benzène comme avec les dérivés aromatiques. Cyclique ou polycyclique. Alors, le diagramme énergétique donc, présente deux pics correspondant ici à la rupture de cette liaison. On vous attend là. Confirmation à travers des SMS de communication. Oui, très bien. Donc, je continue avec le diagramme énergétique. Vous voyez qu'il y a deux pics. Le premier pic il correspond à la formation de cet intermédiaire de Willan. Donc, une liaison qui est presque formée ici avec l'électrophile. Par la suite, le deuxième pic dans lequel nous avons une liaison qui est presque rompue avec l'hydrogène. Entre les deux intermédiaires, vous avez un pic, bon, on va dire un intermédiaire entre les deux pics avec une énergie faible et ça correspond à l'intermédiaire du bilan avec une charge positive au sein du cycle qui va concerner tous les carbones. Voilà. Bien sûr, le passage vers le produit fini qui est le benzène substitué va correspondre à la stabilisation de la réaction. Donc, l'énergie ici, elle est minimale. Une énergie très faible, ceci dit que le composé, elle est très stable. Et bien sûr, le déroulement de la réaction doit se faire dans le sens à donner toujours des produits plus stables que les produits de départ. Voilà. Alors, concernant le mécanisme, on va essayer de passer rapidement, comme ça a été déjà traité dans le mécanisme réactionnel. Donc, comme rappel, vous avez l'halogénation. On utilise un X2 comme le Br2. On doit le catalyser avec un catalyseur de Lewis. Le brome, il va réagir avec ça pour avoir une charge positive. Et de ce fait, le premier brome va attirer vers lui ce doublet en créant encore une autre charge positive. C'est en fait cette charge positive qui va présenter le véritable électrophile, qui lui va réagir dans l'étape suivante. Donc, avec le substrat qui est le benzène qui est fortement chargé négativement, vous avez attaque à partir de cette double liaison vers la charge positive. Ça vous donne l'intermédiaire de Willan. Vous voyez qu'il y a le brome qui se fixe, le proton qui est toujours associé, pas encore ici, concernant la rupture par la liaison. La charge positive qui est créée sur le benzène avec ouverture de la double liaison. Par la suite, la troisième étape, nous avons passage à partir de l'intermédiaire du Willan vers le produit fini qui est le bromobenzène. Et à ce moment-là, vous avez l'intermédiaire, le catalyseur de Lewis qui va récupérer son brome en donnant formation de HBr avec FeBr2, donc régénération du catalyseur. Voilà. Donc, c'est toujours le même mécanisme pour l'ensemble des substitutions électrophiles aromatiques. C'est la même chose pour la nitration. Cette fois-ci, on va créer l'électrophile via une réaction entre le réactif, l'acide nitrique et l'acide sulfonique.
Ça va générer tout d'abord cet intermédiaire qui élimine une molécule d'eau pour donner l'ion neutronium, c'est-à-dire l'électrophile. C'est l'entité qui présente la charge positive. Ici, elle qui va réagir à ce niveau avec le benzène pour donner l'intermédiaire de huilan dans un premier temps. Par la suite, nous avons passage à travers l'intermédiaire du huilan vers le produit de la réaction qui est le nitrobenzène et régénération du catalyseur qui est l'acide sulfurique. Donc là, nous avons utilisé un acide très fort. La réaction de nitration, elle doit être utilisée par un acide fort. C'est comme pour la réaction de sulfonation. Donc là aussi, vous avez réaction de deux acides sulfuriques pour créer l'entité électrophile qui est le SO2. La particularité de cette entité électrophile, c'est qu'elle est neutre, mais quelle est la charge positive? C'est la charge partielle au niveau du sulfure. Donc, vous avez la forme dans le SO3, c'est un soufre qui est entouré par trois oxygènes. La charge positive, elle est localisée au sein de cette entité. Elle est portée par le soufre et de ce fait, elle va présenter l'électrophile. Donc, vous voyez qu'après interaction entre les deux molécules, on a une formation dans le sulfonium hydraté. Donc, après élimination de H3 au plus, j'aurai formation de sulfonium qui va réagir comme électrophile dans la réaction. Et bien sûr, le benzène va attaquer le soufre. Elle est fortement chargée positivement. Pourquoi? Parce qu'elle est entourée par trois oxygènes. Chaque oxygène, il va attirer une certaine charge négative et créant de ce fait une charge positive très, très importante sur le soufre. Cette charge-là, donc, peut être attaquée très facilement par le benzène en donnant ici l'intermédiaire de huilan. Par la suite, cet intermédiaire va être stabilisé par réaction intramoléculaire, on aura rabattement de cette liaison à ce niveau-là, formation de SO3, mais le SO3 va récupérer un proton à partir de là. Donc, vous voyez la particularité de cette réaction, on n'a pas éliminé un proton, mais nous avons utilisé ce proton pour créer l'acide sulfonique, donc le HSO3 à ce niveau. Donc, en réalité, nous avons commencé à partir de deux molécules d'acide sulfurique. Nous avons formé le SO3. Par la suite, réaction de SO3 avec le benzène. Et au cours de cette réaction, on ne va pas éliminer l'hydrogène, mais on va juste rajouter le SO3. Comme si l'hydrogène qui est fixé sur le benzène, il a changé sa place et devient porté par le SO3. Donc là, on a remplacé le proton par l'entité HSO3 et nous avons créé l'acide benzène sulfonique. Là aussi, ça rentre dans la catégorie de substitution électrophile aromatique, mais avec la seule particularité que l'entité électrophile à ce niveau, elle est neutre. Voilà. Alors, vous confirmez s'il vous plaît la communication avec des SMS à chaque fois. Voilà. Donc, on passe. Pour voir d'autres types de substitution électrophile aromatique, vous avez l'alkylation dans laquelle on fait remplacer l'hydrogène du benzène par l'alkyle. Donc, on va utiliser un dérivé halogénique qui lui va nous donner l'entité électrophile. Vous confirmez s'il vous plaît la communication. Vous confirmez si vous ne faites pas la sieste plutôt. Alors, vous avez un dérivé halogéné, donc, qu'on doit catalyser par le catalyseur de Lewis. Les questions, c'est à la fin. Les questions, c'est à la fin. On avance. Je répète quoi? Qui est en face? La diapo présente. Alors, la substitution électrophile aromatique, donc, c'est toujours le même mécanisme. La principale ou bien la première étape, c'est la création de l'électrophile. Donc, si on prend l'exemple de l'alkylation, nous devons créer l'électrophile par réaction d'un dérivé halogénique avec le catalyseur de Lewis. Donc, vous avez l'halogène qui va
fixe qui va attaquer la lacune électronique à ce niveau. Et nous aurons de ce fait fixation à partir de là. Et l'halogène, une fois qu'il aura cette charge positive, il va attirer la liaison vers lui. Et de ce fait, il va créer la charge positive sur le carbone, une charge partielle positive. D'accord? Donc, de cette façon, on peut créer l'entêté électrophile qui est nécessaire pour le déroulement de la réaction. Donc, une fois que nous avons créé cette entêté électrophile, le benzène serait capable d'attaquer cette charge positive pour former l'intermédiaire de Milan. Quand on dit intermédiaire, ceci dit que la charge positive, elle est sur le benzène. Par la suite, vous avez l'entité que nous avons déjà formée dans la première étape. Elle va arracher un proton pour faire régénérer à ce niveau-là le catalyseur de Lewis et l'HX. Et en même temps, nous avons fait remplacer l'hydrogène par un radical alkyle. Donc là aussi, c'est une substitution électrophile aromatique. Donc, c'est toujours le même mécanisme, que ce soit pour l'alkylation, acylation, nitration, halogénation. C'est toujours trois étapes. Création de l'électrophile, attaque électrophile à partir du benzène et par la suite, passage de l'intermédiaire du bilan vers le produit de la réaction. C'est très simple. On passe pour voir l'orientation de cette réaction. Donc, pour les dérivés qui sont monosubstitués, pas besoin de poser la question parce que c'est l'électrophile se fixe ici ou ici, c'est la même chose. C'est toujours un dérivé ayant un composant dans la position 1. Maintenant, si on veut fixer un autre composé sur un benzène déjà substitué, quelle est l'orientation de la réaction? Donc, quelle est la position suivante? Et quelle est la vitesse de cette réaction? Donc, pour répondre à cette question, il faut revoir la nature du premier électrophile qui est déjà fixé sur le benzène. Donc, selon la théorie d'Hollmann, le monsieur qui a trouvé cette règle-là, c'est le Y qui est le premier électrophile déjà fixé. C'est les orienteurs, bon, c'est les un groupement donneur. La réaction serait orientée en position ortho, que vous voyez ici, et en position para. Si le groupement Y, c'est un groupement attracteur, que ce soit un effet inductif ou mésomère, la réaction, elle serait orientée en position méta, qui est celle-là, que vous voyez dans la diapositive. D'accord? Donc, en même temps que cette orientation, nous avons modification de la vitesse de la réaction. Si le Y est le donneur, j'aurai augmentation ou bien activation de la réaction. Si le Y est l'attracteur des électrons, il va faire affaiblir le nuage électronique à ce niveau-là. Donc, il va désactiver le cycle, il va diminuer la vitesse de la réaction. Contrairement, si le Y est le donneur, il va donner une certaine charge négative supplémentaire à celle qui existe déjà dans le benzène. Et de ce fait, on aura activation de la réaction, on aura augmentation de la vitesse. D'accord? Donc, on passe pour bien traiter cette théorie. Donc, on peut dire qu'un groupement donneur, l'électron, c'est un groupement activant et ortho-para-orienteur, avec bien sûr la position para qui est favorisée. Pourquoi? Parce que c'est la position la plus stable sur le plan sphérique. Vous avez les groupements qui sont attracteurs d'électrons, ils sont désactivants, ils sont méta-orienteurs. Ils vont diminuer la vitesse de la réaction. En même temps, la réaction, le deuxième électrophile serait en position méta, en position 3. Vous avez les halogènes qui présentent en quelque sorte une exception. Donc, pour cet ensemble, pour cette colonne particulière dans le tableau périodique, vous avez les éléments qui sont désactivants. Ils vont diminuer la vitesse de la réaction, mais en même temps, ils vont orienter la réaction en ortho et para. Pourquoi? Parce que les halogènes possèdent des effets déjà contradictoires. Ils possèdent un effet inductif attracteur. Un effet mésomère donneur. Deux effets contradictoires. C'est l'effet mésomère qui l'emporte dans l'orientation de la réaction, ce
qui va orienter la fixation du prochain électrophile en ortho et en para. Mais comme nous avons à côté l'effet inductif attracteur, le liage électronique serait affaibli et que la réaction par la suite serait désactivée en aura diminution de la vitesse de cette réaction. Donc là, c'est une particularité qui concerne seulement la dernière colonne du tableau périodique, la colonne des halogènes. Donc, on peut schématiser cette théorie dans les deux schémas que vous voyez dans la diapo. Un groupement donneur va orienter la réaction en ortho, donc soit ici ou ici, en para également, avec bien sûr la position para qui est majoritaire. C'est cette position qui est plus stable sur le plan stérique. Vous avez à côté un autre exemple avec les éléments qui sont accepteurs, qui sont désactivants et vont orienter la réaction en position méta. D'accord? Voilà. Donc, pour expliquer cette théorie, nous avons ici quelques exemples de groupements. Les groupements alkyles avec, pardon. Alors, vous avez quelques exemples concernant les substituants orienteurs avec les effets particuliers. Par exemple, les radicaux alkyles, ce sont des groupements avec un effet inductif donneur. Les groupements OR, donc alkoxy, les groupements alkoxy, ce sont des groupements qui possèdent l'effet inductif attracteur et l'effet mésomère donneur. Comme il y a deux effets contradictoires, c'est toujours l'effet mésomère qui l'emporte, c'est lui qui est plus fort. Donc, que ce soit pour OR ou NR2. Une amine substituée. Alors, pour ces dérivés-là, tout ce qui est groupement acyle, COR, pour le groupement cyanure, pour le groupement nitronium, sulfonium, tout ça, c'est un groupement attracteur. Et pas de problème pour ces substituants parce que l'effet inductif et mésomère, c'est le même sens. Les deux, ils sont attracteurs, donc les deux vont exercer le même effet qui est attracteur. Et on aura des activations de la réaction. En même temps, pour les éléments qui présentent une charge positive, comme vous voyez ici, le CF3, vous avez le NR3, donc la charge positive, elle est attractée par un effet inductif. Vous avez CF3, le fait qu'il y a trois halogènes qui entourent le carbone, chacun attire donc, ça va créer une charge partielle positive, d'où l'effet inductif attracteur et d'où la désactivation. Donc, vous voyez que entre ça et ça, vous avez une particularité qui sont les halogènes. Les halogènes sont à la fois ortho et para-orienteurs, mais appartiennent aux désactivants. Donc là, c'est une exception par rapport à la position particulière dans le tableau périodique. Il y a toujours des exceptions par rapport à ces éléments. Et c'est expliqué déjà par le fait qu'il y a deux effets contradictoires. Là, c'est l'effet mésomère qui l'emporte dans l'orientation. Mais le cycle, il est désactivé. Donc, la vitesse va diminuer. Alors, est-ce que c'est clair jusque-là, avant d'avancer? Vous répondez, s'il vous plaît, avec un SMS. Pour les gens qui sont toujours là. Très bien. Donc, on passe. Pour les autres catégories de réactions, nous avons l'oxydation et la réduction. Bien sûr, le benzène, c'est une entité qui est fortement stabilisée par la résonance, donc une entité rigide. Hein? Elle est très, très stable comparativement avec les alcènes, donc peu de réactions d'oxydation relativement avec les alcènes. Par contre, on peut réaliser certaines réactions d'oxydation sur l'échelle latérale, comme on peut le voir dans le cas de la synthèse de l'acide benzoïque que vous allez réaliser dans les travaux pratiques en troisième année pharmacie, en chimie thérapeutique, là où vous allez oxyder la chaîne latérale de toluène. Là, j'ai proposé un autre exemple, c'est l'oxydation du butylbenzène par le permanganate de potassium. Donc, c'est une réaction qui peut se faire par ce réactif, comme on peut utiliser l'acide bichromique.
Le bichromate de potassium également, ça permet d'oxyder la chaîne latérale en donnant, comme vous voyez ici, la fonction carboxylique. Qu'est-ce que c'est une oxydation? C'est déjà défini, c'est l'augmentation du nombre d'oxydations. Il n'a rien à voir avec oxygène et hydrogène. À chaque fois que vous avez augmentation de nombre d'oxydations, la réaction, elle est dite oxydation. D'accord? Donc là, le benzène, il est relativement stable comparativement avec les alcènes. Donc là, je parle du motif cyclique. Si on veut oxyder les dérivés benzéniques, ça revient toujours à oxyder les chaînes latérales, comme dans l'exemple présenté dans la diapo. On peut également réaliser la réduction des dérivés aromatiques dans des conditions particulières. Donc, ils ne sont pas sensibles aux conditions classiques, comme c'est le cas pour l'hydrogénation des alcènes, mais ils sont réalisables à une température très élevée, avec une haute pression également. Donc, on peut utiliser par exemple l'hydrogène en présence du platine comme support métallique dans les conditions pré-CP, en utilisant l'éthanol comme solvant, et on arrive de ce fait à réduire les doubles liaisons du benzène. Bien sûr, on va réduire les trois doubles liaisons, elles sont équivalentes. Donc, si j'utilise un A3-mol, j'aurai réduction de la totalité des doubles liaisons. Donc, on arrive ainsi à synthétiser 1,2-diméthylcyclohexane à partir de l'orthoxylène. Alors, on passe maintenant pour voir toujours la réduction avec une phase hétérogène cette fois-ci. Donc, je peux utiliser l'hydrogène en présence de platine pour réduire le support benzénique. Donc là, c'est particulier. Donc, j'utilise l'hydrogène en présence d'un support métallique pour réduire le benzène en cyclohexane. Le platine va servir comme support métallique pour présenter l'hydrogène aux doubles liaisons. Et vous avez à côté un autre exemple dans lequel on va réduire une chaîne latérale sur le benzène. Donc, pour avoir une réduction spécifique concernant une chaîne et pour conserver l'entité aromatique, je peux utiliser l'hydrogène en présence de chromide de cuivre. Donc là, c'est une réaction de réduction spécifique aux alcènes portées par les dérivés benzéniques. Donc, confirmez s'il vous plaît, il y a encore la connexion. Non, il y a encore la connexion. Essayez de reconnecter rapidement. Allez-y, on vous attend. Vous confirmez s'il vous plaît avec un SMS la reprise de connexion. On peut continuer. Voilà, donc on reprend avec la réduction toujours. Donc, vous avez la réduction de la chaîne latérale par un benzène, ça se fait par l'hydrogène en présence de chromide de cuivre. Et là, c'est vraiment spécifique à cette chaîne. Donc, vous voyez que le benzène, il est conservé. C'est une réaction particulière. Donc, sans trop tarder, on va entamer la séance TD. Vous patientez le temps de reprendre la série TD, le temps de l'ouvrir. Voilà, donc on va essayer juste de partager cette série. Essayez de suivre en même temps chez vous. Donc, commençons par le premier exercice. Comme vous avez déjà dans les solutions TD, vous voyez qu'il y a une réaction du benzène avec le chlorure d'isopropyl. Ça doit se faire en présence d'un catalyseur de Lewis qui est le AlCl3. C'est une réaction qui rentre dans la catégorie de substitution électrophile aromatique. Là, on veut remplacer un hydrogène par un radical isopropyl. Donc, le produit de la réaction serait un isopropyl benzène.
Mais ça doit se faire entre. Commençons par le premier exercice. Donc là, on vous demande le produit de la réaction du benzène avec le chlorure d'isopropyl en présence d'un catalyseur de Lewis. Pour confirmer juste la connexion. S'il vous plaît, vous confirmez avec un oui, avec un SMS. Voilà, donc on reprend en commençant par le premier exercice. On vous demande le produit de la réaction du benzène avec le chlorure d'isopropyl. C'est une réaction de substitution électrophile aromatique dans laquelle nous avons intérêt à faire remplacer l'hydrogène avec un alkyle. Et de ce fait, on doit tout d'abord catalyser le réactif par le catalyseur de Lewis. On va créer l'entité électrophile qui est l'isopropyl. Comme on l'a déjà vu dans le cours. Par la suite, l'électrophile est attaqué par le benzène selon une attaque électrophile et nous aurons l'isopropyl benzène. C'est très simple. La réaction se fait en trois étapes, comme c'est déjà expliqué. Vous aurez l'isopropyl benzène. On passe au deuxième exercice. Essayez de poser vos questions au fur et à mesure. Alors, pour les CRTD, vous posez vos questions en même temps que moi. Donc, on passe à l'exemple numéro 2. Nous avons demandé une méthode de synthèse de métachloronitrobenzène à partir du benzène. Donc, là, on va essayer de jouer selon les règles de Dolman, les règles d'orientation de la réaction de substitution électrophile aromatique. Donc, tout d'abord, on doit greffer un groupement nitronium par une réaction de nitration qui se fait en présence de l'acide sulfurique H2SO4. Par la suite, pour réaliser l'halogénation sur le nitrobenzène qui se forme, on va utiliser tout simplement l'halogène, le Cl2, en présence d'un catalyseur de Lewis qui est le AlCl3. Alors, pour les étapes de la réaction, vous avez déjà les solutions et vous avez en même temps le cours que nous avons déjà présenté. Ce sont les mêmes étapes. Pas besoin de retraiter ça maintenant parce que là, c'est juste le produit qui est demandé. Donc, je répète, vous avez la première étape, c'est la nitration. Vous n'avez qu'à voir la solution TD. Vous avez la nitration dans un premier temps en utilisant l'acide nitrique, le HNO3. En présence d'un acide très fort qui est l'acide sulfurique. Une fois qu'on aura le nitrobenzène, on passe à la deuxième étape qui est l'halogénation. Et cette fois-ci, on va utiliser l'halogène, le Cl2, en présence de catalyseur de Lewis, AlCl3. D'accord? Donc, l'halogénation, elle va concerner le nitrobenzène et elle va être orientée en méta. Pourquoi? Parce que le groupement nitronium, c'est un groupement qui est attracteur par un effet mésomère attracteur. On avait déjà dit que tout groupement attracteur va orienter la réaction suivante en position méta. Donc, c'est toujours une réaction de substitution électrophile. Comme nous avons déjà un benzène qui est substitué, donc la prochaine réaction serait une réaction de substitution électrophile en position méta par rapport au nitrobenzène. Et de ce fait, on aura la métachloronitrobenzène. Donc, la méta, ça peut être ici ou ici. C'est le même composé. Alors, on passe où vous avez des questions par rapport à ça. Allez-y rapidement. Vous répondez avec des SMS. Vos questions, s'il vous plaît. Vos questions rapidement par rapport à ça. Alors, pas de questions. On passe. L'exotrope, quels sont les produits de bromation de l'aniline? Donc, comme ça a été déjà expliqué, la solution CD, vous avez l'aniline avec cette formule brute. On fait une bromation qui est une réaction de substitution électrophile aromatique.
Comme dans l'anime, vous avez un motif amine, qui est un groupement mis en mer d'honneur, donc possède un doublé libre, et capable d'orienter la réaction en position ortho et para. Donc, j'ai le doublé libre, il est capable de donner ce doublé, il va augmenter la charge négative autour du benzène, donc il va orienter en ortho et en para, et en même temps, il va donner la para qui est plus stable que la position ortho, il va activer la réaction, donc il va augmenter la vitesse de la réaction. Les deux composés qui se forment, ce sont des dérivés substituant en position ortho, donc l'orthobromoaniline avec la parabromoaniline qui est plus stable comparativement avec la position ortho. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, essayez de les poser rapidement. Allez, comme ça, on avance. Autre question par rapport à ça? Et vous confirmez s'il y a toujours la connexion, s'il vous plaît. Donc, on passe à l'exo 4. Vous avez deux dérivés, vous avez le phénol et vous avez le nitrobenzène. Donc, deux exemples différents. Pour le premier, vous avez l'hydroxyle qui va exercer un groupement d'honneur, un effet mis en mer d'honneur. C'est un effet qui va orienter la réaction en position ortho et para. Donc, si on veut réaliser une nitration, on aura l'ortho-nitrophénol et aussi la paranitrophénol, qui est plus stable que l'ortho-nitrophénol. Le composé qui est juste à côté, c'est tout à fait le contraire. Vous avez la cyanobenzène, c'est une molécule qui présente un groupement attracteur selon un effet mis en œuvre attracteur. Et de ce fait, il va attirer la charge négative du benzène. Il va orienter la réaction en méta et on aura la méthanitrocyanobenzène. C'est tout à fait le contraire comparativement avec le premier exemple. Vous avez des questions par rapport à ça ou non? On ne va pas détailler les étapes à ce propos parce que ça a été déjà expliqué dans le cours et même dans la solution TD. Voilà. Ce sont toujours les mêmes étapes. Alors, on passe à l'exo 5. Donc là, nous avons demandé quels sont les composés qui sont aromatiques ou non. Le corrigé type, c'est dans la série TD.